Bon voilà, il y a tellement de streams maintenant avec internet qu'on peut vite fait voir comment des teams fonctionnent bien et s'y mettre très rapidement. On peut filtrer assez vite parce que parmi toutes ces possibilités, il y en a quand même une bonne moitié qui n'est pas tournament type. C'est ça. Alors c'est parti, premier match donc entre Ilan et Don. Le Spider-Man contre le Zéro. Et pour l'instant, Sam Suizan. Ah oui, bah ça va me faire réviser ma move list de Zéro ça. Alors le Raikouzen aura plus lancé, mais c'est pas confirmé, c'est pas grave. Le RH qui permet malheureusement à son adversaire de s'enfuir. RH, RS, Sam Suizan, Buster Cancel, Raikouzen. Est-ce qu'il va Raikouzen loop? Et oui, c'est parti, Raikouzen. Ah bah malheureusement, il s'enfuit le Spider-Man. Spider-Man pas évident à suivre sur ce stage un petit peu sombre par endroit. Bon voilà, Spider-Man est sorti, pour l'instant ça se passe bien, le Raikouzen, c'est toujours Raikouzen, ouais, voilà, ça c'est un petit peu la magie de Zéro, les récupérations un petit peu délirantes. Sam Suizan, le star français Raikouzen. Et le Sugenbook est activé, il va l'agresser, voilà, il va repeindre l'écran avec ses Raikouzen. Le Dante, mais non, c'est le Dante qui a trouvé le retour de garde, très bien. Un petit Hammer, Fulshower, Stinger, pardon, The Hammer, Ça va tellement trop vite, Volcano BI, et Devil Must Die, voilà, le Zéro, ça, c'est plié. Allez, l'Acid Rain, le Hammer qui permet de récupérer, The Hammer à nouveau, Cold Shower, Stinger, Trick, Hammer, Cold Shower, Volcano BI, pardon, et le Stinger, Volcano BI, million de dollars, pour l'instant ça monte, alors malheureusement la barre de vie descend assez peu, mais c'est pas grave, il craque sur X-Factor, et le million de Kara, BI à nouveau, million de dollars, le combo 130-140 hits, ça ne veut plus rien dire, c'est la magie dedans. Et du coup ce Reverb Shock qui va en terminer. Et il le chope à l'arrivée, le Prop Shredder, The Hammer, Cold Shower, Stinger, The Hammer, Volcano BI. Stinger, Volcano BI à nouveau, million de dollars. Il est complètement là ce Dante, il en peut plus. On peut l'encourager, voilà, Proto Kainon, Iron Man. Cette lotieritude qui pourtant, eh bien, fonctionne très très bien dans les mains d'Airgame. Photon Away pour essayer de défendre un peu son adversaire. Plasma Beam, il va peut-être tenter de zoner un petit peu. Cela dit, il a encore un X-Factor. Hein, et Doom avec un X-Factor, ça veut complètement faire le travail. Photon Array, ça vide sa barre pour l'instant. Photon, enfin, Plasma Beam, pardon, Photon Array. Et voilà, le Jam Station en assist qui le passe. Et pour l'instant, Airgaze qui a le dessus sur son adversaire. Bon, ça enchaîne, c'est reparti. Deuxième match, 1-0 pour Airgaze pour l'instant. Alors, le Sam Suizan qui trouve et il confirme direct. Le Shippuga, S, F, M, H. En delay, le S. Voilà, Sam Suizan avec le relaunch. RS, pardon, c'est le Buster Cancel. Un petit coup en reset. Enfin, pour tenter le reset, pardon. Raikouzen, S, M, M, H, S, S. C'est pas grave. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas commenté du Zéro. Le Meteor Shower, Airplay. Dekoa, voilà, ça me revient. Alors, le Flame Carpet, Meteor Shower. Alors voilà, là il va rentrer dans une phase de zoning complètement intensif. Le Gon, ça va être insupportable. Oh, il s'est TP dans son dos. Je ne reste pas confirmé. MS, pardon, ça y est, c'est fait. Voilà, le Gon est plutôt bien installé dans le match pour l'instant. Un Iron Man qui a un X-Factor. Oh, il se fait avoir pour le Flame Carpet, malheureusement. Ce Répulsor, oh, ouais, il l'a trouvé avec Doom, je pense que là c'est terminé. Encore que rien n'est jamais fini, mais un Doom en X-Factor, on est, c'est tendu, faut un arrêt. C'est pas terminé, Reko en DHC, voilà ça tue. Et voilà, un petit facepalm pour Gon, je sais pas pourquoi, parce qu'il a battu. C'est la pression, mon ami. Ne vous laissez pas ronger par la pression. Eh les mecs, ça se passe très bien là, vous me faites un méga show, hein, donc y'a pas de soucis. Hein. Continuez juste comme ça, c'est du bonheur. Allez, un partout et on est reparti. Un petit Raikouzen, Raikouzen, Buster Cancel, je vais y arriver. MHS, Sam Suizan, Buster Cancel, Raikouzen, 50 reset et ça te chope en Raikouzen, c'est magnifique. Un petit Imperial Combo sur Dormammu, voilà Flight Mode, Dark Hole, H, Dark Hole, S. Et rien, il a tenté le reset ou je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Le Spider-Man qui confirme c'est pas light, voilà il est parti en combo. Ouais, et voilà.
Ah, malheureusement, il y a un petit combo raté là. Web 3 à nouveau, Web Swing, Web Glide. Hop là. Oh, attention, ça a failli confirmer, c'est dommage. Et l'assiste qu'a pris Torgnol, Soukenou, je pense pas qu'il va confirmer. Oh, mais bon, le chaos il fait, mais malheureusement. Oh, si, l'assiste, il a pris tellement cher. Je croyais qu'il était sorti de la tourmente, mais non. Et du coup, Iron Man a perdu une demi-heure de vie. Maintenant, il va falloir que le Dante qui fasse son show pendant 15 minutes pour que Iron Man récupère sa vie. Plasma Beam qui récupère l'Iron. Oh là là, l'assist il a pris encore cher, c'est tendu. C'est vraiment compliqué. Devil Trigger, qu'est-ce qu'il nous fait pour l'instant? J'y cru entendre un bruit de chaîne. Il se prend les météores, malheureusement. Chaotic Flame dans Purification. Oh là là, ça va être compliqué là. Ça va être vraiment compliqué. Chaotic Flame dans le high jump. Ça boit. Il est pas mort, il est à 0 HP. Il est pas mort dedans. Il craque son début de trigger pour remonter un petit peu sa barre de vie. Sa barre de vie va remonter, mais tout doucement c'est tendu. Il a protégé son Dante avec un X-Factor. Très bien joué X-Factor. C'est pas encore fini, mais c'est tendu. On sent bien la pression. Pour l'instant, le Doom se promène et esquive plutôt bien les attaques. Thunderbolt, Thunderbolt à l'infini, mais pour l'instant le Doom est bien à l'air hors de portée. Photoshop, oh dommage, il a failli choper le Hammer qui vient protéger RH. Airplay, plus de Devil Trigger. Et le Dante a récupéré sa barre de vie quand même entre le Devil Trigger et le X-Factor, c'est plutôt pas mal. Le Ice Shard, c'est le... je sais plus comment, c'est pas grave. Airplay, le RS, oh, attention, le RS c'est pas safe, en garde, alors en oui, j'en parle pas. Hey, c'est pris, Dive Kick, M avant H, M avant HS, H et ça tue. Allez, il reste un Iron Man quand même, le 0, bien évité, je croyais qu'il avait chopé. Et par contre, il s'est pris la chope, Zen Twizan et Pix Factor direct, MMH. Ah, par contre, il n'est pas passé, il va le reset. Non, il s'est bien protégé. Bonne garde pour l'instant de la part de Airgaze qui tient très très bien à la pression. Magnifique. Et oh, dommage, s'il va ramasser par Raikouzen. Et voilà, il en termine. Magnifique, comment dire, instinct de survie de Airgaze qui a fait traîner, a vraiment fait chier son adversaire. C'est la team du Sum. C'est les Parisiens qui traînent au versus Dojo qui nous offrent cette petite loser finale. Petite que par le nom. Gon prend un peu de temps pour souffler. Ça respire un gros coup et c'est reparti. On peut les applaudir. Allez, on applaudit ces joueurs s'il vous plaît. Et pour l'instant, ça envoie les Webballs, Iron Man. Elle a plus de projectiles. Le Unibeam, voilà. Raikouzen, Buster Cancel, Webball. Raikouzen à nouveau, Buster Cancel. Le RH qui n'est pas confirmé malheureusement. Webball, Webglide. Et c'est bien le pressing. Voilà, ça y est, il a trouvé l'ouverture de garde. C'est bon. Oh, c'était... ah, malheureusement, son Spider-Sting, Spider-Bite, je sais plus pourquoi, n'est pas passé. Il a un dragon en fait, il veut canceller pour pouvoir poursuivre son, son combo. Il n'est pas passé malheureusement, c'est pas grave. Le 0 de Gon qui est quasiment terminé en termes de barre de vie. Et du coup, il va faire entrer Doom pour que 0 récupère un petit peu de sa vie. Oh là 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 là, et le Doom, il a pris l'avantage sur le Dante. Tree Jump, M avant H, MM avant HS. Tree Jump, M avant H, MM avant HS, pardon. Plasma Beam, Photon Array, ça va pas très bien, Diechi, Stalking Flare, ça va gratter, surtout ça va rester à l'écran jusqu'à ce que l'adversaire arrive pour pouvoir eh bien, l'embêter. Non, bah, en fait, il va en profiter pour faire revenir Doom à l'écran. Sa Web Swing, Web Ball, Web Glide, attention, il s'est pris une Foot Dive, oh oui, il a réussi à s'enfuir heureusement. Web Glide à nouveau, Photon Shock, Web Pro, je ne sais pas exactement ce qu'il tente pour l'instant. Web trop, le pote. Oh, attention, oh, il a réussi à trouver le de garde, ça y est. Oh, il n'a pas réussi à confirmer malheureusement. Et il s'est fait chauffer par le Doom avant HS. Tree Jump, M avant H, M, M avant HS. HS, M, M. Ah non, il a raté son avant H où il a tenté un reset. Je sais pas ce qu'il a fait, c'est pas passé. Ça craque, X-Factor, Stalking Flare pour emmerder le monde. Ça va finir dans la garde, c'est pas grave. Oh, bah, malheureusement, il a trouvé le marteau de garde sur le Liberation de Dormammu. Mais avec les météores qui arrivaient, il a pas pu le punir. Plasma Beam, Webball. Ah, il agresse bien, il a trouvé. C'est bon, ça allait. Oh, dommage, c'est sorti. Et du coup, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a fait Proto Kainon en DHC. C'est pas grave, c'est safe, il sera pas puni, tout va bien. Le Trijump barrière, ça protège, Stalking Flare, ouais, il va le gratter comme un sauvage. Oh, il a trouvé un tour de garde, mais c'est pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Stalking Flare est pas passé? Je n'ai pas compris. Il y a un truc qui m'a échappé, c'est pas grave. La TV pour l'instant, c'est bien évité pour l'instant de la part de Airgaze, qui a eu son Iron Man survit particulièrement bien. On serait pulsé en blast, c'était bien vu. Malheureusement, c'est pas passé. Spider-Man revient à l'écran. Il a trouvé une ouverture de garde pas confirmée, malheureusement.
Allez, le Dark Matter qui est puni une première fois, le deuxième, attention à cette libération. Chaotic Flames, ah oui. Allez, allez, 9 secondes. Allez, il ouvre et c'est bon. Bon, bonne garde pour l'instant. Ah, il se prend la full dive. À 5 secondes, ça va être tellement compliqué. Cela dit, il a 4 barres sur un malentendu. Peut-être une d'ailleurs un level 3. C'est le Suzanne, Reload, MMH, S, Rekoa. Et voilà, c'est donc Gon qui remporte cette petite finale loser. Mergaze n'a pas démérité avec un Iron Man. Pour rappel, Spider-Man et Iron Man, c'est juste des persos qu'on voit jamais en tournoi américain, tellement ils sont considérés comme pas rentables. Et Mergaze qui arrive quand même à rejoindre ce stade du tournoi avec cette team. Je pense qu'on peut saluer sa prestation. Mon petit Euro, qu'en penses-tu, toi qui les côtoies régulièrement? Alors je pense que là la pression a joué beaucoup parce qu'il y a eu pas mal de ratages et c'est des joueurs connus pour justement avoir une très bonne exécution. Là il y a eu du ratage, c'est la pression, c'est ce qui fait souvent la différence à haut niveau. Et Marvel c'est un jeu assez cruel, si on rate on perd souvent son perso derrière. Et voilà, et donc du coup ça va être la revanche pour Gon. Gon qui s'est fait sortir de l'arbre winner par Aita. Aita de Freedom Fighter contre TDS Gone.